Rendez-vous a été donné aux téléspectateurs de C8. Ce samedi 1er avril, sur les réseaux sociaux, Jordan Deluxe a annoncé qu'il allait recevoir Patrick et Isabelle Balkany, mardi 4 et mercredi 5 avril, dans son émission chez Jordan. L'animateur de télévision a partagé un teaser dans lequel on peut avoir un bref aperçu de cette émission, qui accueille l'ancien maire de Levallois Perret et son épouse, inculpés pour blanchiment d'argent et fraude fiscale en cour d'appel le 9 janvier dernier. Une vidéo que Jordan Deluxe a accompagnée de ces quelques lignes, pour la première fois, le couple Balkany a accepté de répondre à toutes les questions en duo. Avant de préciser que les téléspectateurs connaissent, ont, la raison pour laquelle ça ne s'est jamais produit avant. Parfois, on devine que l'ambiance sera électrique. En effet, dans l'une des séquences de l'émission, Isabelle Balkany et son mari s'expriment en même temps. Agacé, ce dernier lui intime l'ordre de se taire, « S'il te plaît, tu veux bien ne pas me couper la parole ?» Supérieur à Isabelle et Patrick Balkany, qui sont leurs enfants Alexandre et Vanessa. Isabelle Balkany, elle ne dit que des conneries dans l'un des passages de l'émission, brièvement dévoilé dans le teaser, on comprend que Patrick Balkany est interrogé au sujet du montant de sa retraite. Un sujet que l'homme politique de 74 ans avait déjà abordé récemment, à l'occasion d'une interview accordée à Paris Match. Un autre extrait de chez Jordan permet d'entendre son épouse tenir ses propos, « Je trouve qu'elle ne dit que des conneries. » Toutefois, on ignore de qui il s'agit. Pour le savoir, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. Pour rappel, les parents d'Alexandre et de Vanessa sont inéligibles durant les 10 prochaines années, à la suite de leur condamnation, et interdits de devenir gérants d'une société. Quand on vous oblige à quitter votre ville, celle dont vous vous êtes occupé pendant 40 ans, qu'est-ce qu'il vous reste ? Avait lancé l'ancien édile dans les colonnes de Paris Match. Et de conclure, notre vie, c'était nos mandats. Il nous reste le temps de nous faire chier et d'attendre la fin. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.